Donc ça m'est présent à Batangafou sur le site depuis 2016. On a démarré plein d'activités en matière de protection communautaire. Donc, pour la protection communautaire, on a travaillé beaucoup avec les déplacés, les femmes et les hommes. Et on dispose de plus de 5 structures communautaires dans le site des déplacés. Et le travail qu'on fait avec eux, on les appuie en termes de renforcement des capacités. Et ce sont eux qui mènent les activités de prévention dans les sites des déplacés, dans les différentes parties du site des déplacés. Et en matière de prévention, on a beaucoup d'activités de sensibilisation qu'on les appuie. On les donne les moyens nécessaires et aussi l'appui technique nécessaire pour mener les activités de sensibilisation auprès de leur communauté. Et nos activités de sensibilisation sont les activités de sensibilisation que les structures communautaires mettent en place, permettent aux communautés, aux déplacés, d'avoir les informations sur les risques et les conséquences des incidents de protection, notamment les incidents de VBG, mais aussi les services qui sont disponibles. Et ces mêmes membres des structures communautaires de protection accueillent aussi les personnes qui ont besoin de protection et les orientent vers les services appropriés.